Un trafiquant de primates âgé de 46 ans a été interpellé à Yaoundé par les agents de la délégation régionale des forêts et de la faune du centre alors qu'il essayait de vendre un primate vivant à Yaoundé le 18 juin 2014. L'opération qui a été menée en collaboration avec les forces de maintien de l'ordre rentre dans le cadre du programme de la mise en œuvre effective de la loi faunique lancée en 2003 par le ministère des Forêts et de la Faune. L'AGA, une ONG spécialisée dans l'application de la loi faunique, a fourni son expertise et son assistance technique lors de l'opération. Le mis en cause dans ce véhicule rouge avait dissimulé le primate dans la malle arrière. Faut-il le rappeler ? Le mandril est listé dans la classe A selon les dispositions de textes réglementant le secteur faunique. Et de ce fait, c'est un animal intégralement protégé. Le suspect a été retenu dans cette unité de police afin qu'il réponde de ses actes, car nul n'est censé ignorer la loi. Une autre